La plus grande colonie d'Afrique devenait indépendante le jour suivant. Et j'attendais comme les autres à Léopoldville. J'attendais que le roi arrive, ainsi que le nouveau président. Ils viendraient ensemble sur le boulevard Albert. Oui, je connaissais Kasavubu en tant que président. C'était un homme bon. Lumumba, comment le décrire, lui? J'avais peur de lui. Vraiment peur. Mwana Kitoko, on l'appelait toujours pareil. Beau garçon. Il était très mince et frêle, notre roi, en comparaison avec Kasavubu, qui, lui, était robuste. Si je n'avais pas pris cette photo, personne n'aurait su que ça s'est passé. C'était juste comme ça. Ils voulaient être indépendants. Mais ils ont beaucoup perdu pour ça. La voiture n'était pas très loin de l'endroit où l'on se trouvait. Soudain, on a vu un homme noir, un Congolais, qui est sorti des rangs. La famille royale n'était pas contente. Vous pouvez imaginer. C'était un acte tellement provocant. Ils se sont regardés dans les yeux, le président Kasavubu et le jeune homme. Peut-être en avaient-ils déjà parlé. Plus tard, quand il est parti, pourquoi personne ne l'a-t-il suivi? Ici, dans notre studio, il y a une équipe de cinéastes belges avec une question importante pour moi, pour toi, pour nous tous. Le 29 juin 1960, un jour avant l'indépendance, dans la ville de Léopoldville, un jeune Congolais a arraché l'épée du roi Baudouin. Et maintenant, notre question. Qui connaît le nom du jeune homme qui a confisqué l'épée du roi Baudouin? Pour répondre à cette question, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant. 081-36-08. En attendant votre réponse, je vous propose cette belle musique pour commencer votre journée. 2007. Un nouveau style, un nouveau son. Aïe. Le boulevard 30 juin, à Kinshasa. L'endroit où ça s'est passé. Étrange que personne en Belgique ne nous ait pas dit qui avait volé le sabre de notre roi. Nous ne repartirons pas sans avoir élucidé ce mystère. Bonjour. Bonjour, monsieur Lemengeneso. Bonjour. Enchanté, merci pour nous recevoir. Merci. Alors, en tant que directeur général des Archives nationales du Congo, je me permets de vous recevoir dans cet endroit austère et mélancolique qu'est le dépôt des Archives nationales. Nous avons des copies ici, mais la plupart de nos documents ont été transférés à la veille de l'indépendance en Belgique. La Belgique nous a donné l'indépendance, mais il nous a
pris aussi des documents, la mémoire collective. Alors, il y a de la lumière ici, donc je peux m'asseoir ici. Ici, dans les archives, peut-on trouver un document en procès verbal où on trouve le nom de ce monsieur? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Parce que ce type-là, il n'est pas connu. C'était malade mental. C'est la première fois qu'on me pose la question sur ce nom-là. Parce que on ne sait pas d'où est ce type-là est parti et qui l'a envoyé. Mais moi, je suppose que c'est la sûreté. C'est la sûreté coloniale qui a voulu donner l'impression que l'indépendance, nous l'avons volée. Alors, on a mis en scène ce monsieur-là. Parce que je ne vois pas comment, avec toute la sécurité dont on entoure un souverain, c'était le roi Baudouin à ce moment-là, hein, dont on l'entoure, comment un énergumène peut sortir de la foule et arracher le sabre royal. Donc les Belges ont orchestré cette histoire eux-mêmes. Une théorie plutôt plausible. Nous rencontrons Serge Molenghi, un ancien politicien et journaliste qui a été témoin de cette scène en 1960. Bon, c'était la fête de l'indépendance. Il est venu le 29, il est arrivé, ça doit être un mercredi. Il vient de l'aérodrome. Nous étions tous sur le boulevard Albert Ier. Il passait les troupes en revue, les troupes de la force publique en ce moment-là. Il vient sur le boulevard, il continue à passer les troupes. Moi et les autres, nous nous trouvions juste à la place Branconi. Tout le monde avait les yeux vers le roi et on l'applaudissait, on l'acclamait et les messieurs passent comme une flèche. À ce moment-là, les Belges ont cru à un attentat. Ce n'était pas vraiment un attentat, mais c'était une euphorie, la joie. Ce type qui vient ramasser comme ça, courir pour aller remettre, parce que ça s'est raconté. Toute la force, si vous voulez, la véritable indépendance, c'est cette épée-là. Celui qui prend l'épée, qui va remettre à un leader, et voilà la véritable indépendance. Et ce qui était frappant, le roi est resté de marbre, il continue. Il n'a même pas bougé, il n'a même pas... Non, rien du tout. Il continue sa marche. C'était un activiste d'un parti politique, hein, je ne sais lequel. Et alors, ben, quand il a vu passer le roi, il a dit « Ah, voilà une occasion toute faite, je vais prendre. » Non pas pour faire le mal, mais pour prendre, aller remettre, je ne sais à qui était le chef de son parti politique, pour dire ben « Voilà, je vous apporte l'indépendance. » Et les gens allaient crier « Effectivement, nous avons eu notre indépendance. » C'était dans ce sens-là. Ça semble plus logique que ce qu'on a appris chez l'archiviste. Il fallait que le sabre arrive au nouveau chef. Kassavubu est mort depuis longtemps. Néanmoins, on nous donne un conseil. Il faut qu'on parle avec Jean Ekamanu. Bonjour, monsieur Ekamanu. Mouta. Ah oui, Mouta, oui. Il était un membre éminent de Abaco, le parti de Kassavubu. Tous les peuples Mukongo étaient affiliés à l'Abaco. J'ai dit tous, sans exception aucune, hommes, femmes, enfants, tout le monde était dans l'Abaco. C'était un mouvement de libération du peuple congolais. Et c'était automatique, hein. Tout le monde était motivé par le fait que nous étions colonisés et tout ce que nous avons subi comme humiliation.
Immédiatement, nous sommes mis à œuvrer pour libérer notre pays. C'est ce que nous avons fait, effectivement. Nous avons l'espoir que dans quelques jours, nous aurons un gouvernement congolais. Alors, un membre de l'Abaco, que je connais très bien, qui s'appelle Mahou Mamadi Engila, est sorti, nous étions ensemble, il est sorti, et précisément pour aller arracher le pied du sable du roi Boudou. Bon, à l'étonnement de tout le monde, évidemment, il y avait un calme absolu de voir cet acte-là, que nous disons, un acte de bravoure, un acte courageux, que Mahou a posé. Mais c'était très significatif. Pourquoi il est allé prendre ce sable-là? C'est plus précisément parce que le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Tout ce qui a eu comme du folklore à la table ronde de Bruxelles, il n'y avait pas un acte qui pouvait dire que cette fois-ci, maintenant, nous sommes indépendants. Il fallait arracher ce pouvoir-là. Et le sable du roi Baudouin, ce qu'il avait là-bas, c'est un pouvoir. C'était bien plus que ce que nous espérions. Et Kamanou le connaissait personnellement, et il était présent. Ils se regardent dans les yeux, le président Kassavubu et le jeune homme. Il est difficile d'interpréter ce qu'il y avait dans ce regard. Peut-être en avait-il déjà parlé. Ah oui, c'est évident. Kassavubu, Mahou, ils se connaissaient. Je connaissais sans doute, ça c'est certain. Alors pour aller à la rencontre de M. Mahou, qu'est-ce qu'il faudrait faire? M. Mahou est originaire du Manyanga, territoire de Manyanga, d'Ouzi, dans le Bas-Congo. Bon, moi j'essaie de faire tout pour voir les gens de son secteur, mais presque tout le monde a perdu trace, hein. Et Kamanou est le seul qui connaisse la région de naissance de Mahou. Et il ne l'a pas vu depuis 40 ans. Nous partons une journée complète de Kinshasa pour la région de l'Ouzi. Ici, nous rencontrons l'anthropologiste Mahania, qui est prêt à nous conseiller. Alors, mais j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu ces photos. C'est la toute première fois que je vois ça. Ah, voilà. Je pense que ça, c'est un médaillon de Kodia. C'est comme le Kodia, là, de Kodia de Dabako. Je pense que Mahou, c'est un nom d'un fétiche, déjà. Donc, j'aimerais savoir, a-t-il été initié ou a-t-il pris le nom de son oncle ou de son grand-père qui avait été initié? La légende dit que un des chefs Congo est mort à Zimba, dans la région du Manyanga. Et on a préparé son enterrement. Le jour de l'enterrement, on voulait faire descendre le cercueil dans la tombe, mais ils étaient surpris, le cercueil ne descendait pas. Et subitement, on a vu le cercueil s'ouvrir. Et le chef qui était là s'est envolé avec l'épée. Cette épée, on l'appelle à Kikongo un singlamele. Il est parti avec l'épée et la population attend le retour de l'épée, puisque l'épée incarne le pouvoir. C'est ainsi que le 29 juin 1960, quand le roi Baudouin est venu, les Bakongo ont vu qu'il portait l'épée. Et pour eux, cette épée était la leur. Alors c'est ainsi qu'un certain Mahou arrachait l'épée du roi. Vous savez qu'un peuple ne peut pas vivre sans mythe. Donc c'est ce mythe qui a fait que beaucoup de jeunes ont intériorisé cette idéologie politique.
puisqu'ils attendent le retour du chef avec le couteau. Et cette personne qui a arraché l'épée du roi Baudouin, c'est possible qu'il soit de cette région, qui a intériorisé ce récit, et que quand il a vu le roi Baudouin, il dit voilà, c'est notre épée, c'est notre couteau, et il l'arrache. Il est fascinant de voir à quel point le mythe et la politique s'entrecroisent dans ce pays. Le roi Baudouin aurait-il pu imaginer un jour que son sabre était la réincarnation du sabre perdu du Congo? Mahania nous amène jusqu'à Tshobo Ingana, un haut gradé du parti Abaco. Mais oui, le sceptre est resté une épée de parti en Belgique. Vous nous avez tout pris, alors il fallait bien qu'il reste quelque chose ici. Vous avez tout gardé là-bas. Vous nommez qui vous voulez, vous mettez en place qui vous voulez. Mais quand même, il y a un minimum qui doit rester avec nous, notre âme. À l'âme est restée. Je ne sais pas vous donner une autre explication que celle-là. Le sceptre du roi a été arraché, il a circulé, il a été mis à la place où il était destiné à être mis. C'est lui que vous avez vu arracher. Le sceptre du roi est un être qui a une vie qui n'est pas dans cette dimension, mais dans une autre dimension. Mais la seule chose que je peux vous dire, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails là-dedans, je ne crois pas être autorisé à ça, les photos que vous disposez de ce que vous croyez être un fou, c'est un hologramme. Pour Tshobo, nous les Belges sommes la source de tout ce qui est diabolique. On nous envoie des hologrammes pour prendre notre pouvoir. Et le sabre, nous n'allons jamais le revoir. Badiki Sumbo est collectionneur de sabres traditionnels du Congo. Il n'a jamais vu le sabre de notre roi, mais il peut nous expliquer ce que veut dire le nom Mahungu. Mahungu, c'est l'homme tout puissant, qui est à la fois masculin, qui est à la fois féminin. Mahungu, c'est la première créature que Dieu a créé, Dieu le Nzambiampungu, le Dieu Tout-Puissant. La première créature humaine qu'il a créée était l'homme complet, Mahungu. Effectivement, le nom Mahungu, on le retrouve dans le chef de quelques personnes de la population Congo. Mais devant un événement comme ça, je pense plus vers un nouveau nom. Parce que l'acte qu'il a posé ne peut être posé que par un Mahungu. Le nom est donné à la naissance généralement. Et il détermine le futur de la personne. Mais tout le long du parcours, si la personne arrive par exemple à poser un acte de bravoure, on lui colle un autre nom. Alors je pense beaucoup plus vers cette thèse que Mahungu était le nom qu'on a attribué à la personne après avoir posé l'acte. Parce que je ne serais pas étonné qu'on dise aussi que l'homme a disparu. Mahungu est peut-être un fétiche, un hologramme ou un esprit divin, mais ce nom ne nous amène pas sur une piste concrète. Nous suspectons que le vol du sabre ait créé sa propre légende. Je ne connais pas le vrai nom. Le magazine pour qui je travaillais ont inventé le nom eux-mêmes. 25 ans plus tard, j'ai posé les questions à Mobutu, mais il n'avait pas de réponse. Je pensais qu'il pouvait connaître quelqu'un à la police, qui pouvait me donner des informations ou des réponses, mais... Merci. Visite à nos studios cet avant-midi d'une équipe de tournage belge, CRN-PPT, suivie. Rien à voir avec Tintin au Congo, cette équipe cherche en fait à retrouver l'homme qui arracha son sabre au roi des Belges. C'est une photo connue dans tout le monde, puisque c'est symbolique qu'il y a fait ce jeune.